Jekouillem, ouh, aïe aïe. Sa mère l'a de chouin. Bratislava en soleil, 20 degrés, mais couilles. Vous connaissez les vaches qui pissent? Et ben voilà, elles ont fait ça sur nous. Ah, c'était bien Budapest. Bon, on leur dit la vérité. On est resté, pas une, pas deux, mais trois nuits à Budapest. Pest, je viens de me prendre une goutte. Mais on aime Budapest, on connaît, on aime. C'est la troisième fois qu'on vient. La dernière fois, on était venu 9 jours pour mon anniversaire. On avait été malade pendant 3-4 jours. On avait quand même profité. Cette fois, Mathieu est tombé malade. Grosse poussée de fièvre la nuit, tu connais les bails. Et Célio, pour accompagner Mathieu, a eu un accident. Je parle de moi à la troisième personne. De lit superposé. J'étais en haut, j'ai voulu monter avec mes tongs. Et arrivé en haut, ma tongue a glissé. Et je suis tombée sur le pubis. Et je me suis éraflée, donc j'ai très mal. Et j'ai un hématome comme ça, violet noir. Bref, arrête de se plaindre. Ah, c'est lourd. C'est pas grave parce que ça nous a permis de nous reposer. Bah moi bof hein. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas très bien dormi ces trois dernières nuits. Entre autres par la fièvre et entre autres par mon voisin d'en dessous qui ronflait salement, qui faisait vibrer le lit tellement il ronflait fort. Du coup bah je suis content de changer d'endroit parce que on va peut-être pouvoir aller dans un endroit où il y aura moins de bruit et où je pourrais dormir bien et me reposer et me rafistoler la santé. Donc voilà, nous on vient à Budapest pour être malade en fait, c'est le principe. Bon, de toute façon là, on va à Bratislava, donc ça va être super. On va prendre un train, donc c'est parti. C'est dur la vie, hein. Il y a des moments plus faciles que d'autres, mais là ça va, on est dans un endroit qui est confortable. Ah ouais. Cossu, hein, assez cossu. Faut peut-être pas trop filmer chez les riches, hein. On risque d'avoir des problèmes. Alors Mathieu, c'est cossu ici ou quoi? Ah, c'est cossu. Ah, c'est cossu, hein. Ça a l'air cossu. Nous continuons notre enquête dans Bratislava pour savoir si la ville est cossu. Oh, suivez-nous dans notre enquête. Célio Détectivo va percer le mystère de si c'est cossu ou pas. Oh là là. Les plaques en verre avec un nom, c'est cossu, hein. Ça, c'est des plantes cossu, Mathieu. Ah, tu vois ça, Potravini? Ça veut dire cossu. On a des poussières dans les yeux cossus. Enfin, des poussières cossues dans les yeux plutôt. Un peu cossu, mais pas trop. Voilà, ça c'est cossu. Une banque, c'est cossu. C'est de l'or. Vous êtes là, vous? Oh ouais, je suis jamais très loin. Et comment vous allez? Ça va mieux. Je suis pas au top, mais ça va mieux. Parler avec des gens, ça t'a donné l'énergie? Ouais, carrément. On est dans un hostel avec plein de volontaires trop sympas et c'est super, on adore. En même temps, Budapest, c'est pas grave, vous connaissez. C'est vrai que c'est chiant d'être malade, hein, peu importe l'endroit. Et que ce soit Budapest ou ailleurs, c'est relou d'être malade. Il vaut mieux que ce soit Budapest plutôt que ailleurs. Genre ici, tu vois, c'est un peu chiant. À mieux si ça allait mieux, tu vois. Parce que je connais moins. Après, bon, sinon, on n'a pas le choix, c'est tout. J'ai cru que t'avais eu péter sa bulle. On fait équipe, tu vois. On fait pas équipe avec des enfants, Célia. On les défend. Non, mais je fais genre ça m'intéresse pas et après je vais aller. Ça m'intéresse pas. Et du coup, il est dans notre hostel. Ouais. My darling, darling, every morning is important, getting 40. It's about time to leave you. As if you're not by my side.
C'est vraiment parce que... devant et tu dois pas te faire toucher. C'est vraiment parce que depuis tout à l'heure tu fais l'inverse, t'essaies de toutes les péter et puis là tout d'un coup tu dis ah non, je veux plus me faire toucher. Je fais des jeux. Excusez-moi. Vous êtes qui? Jake William. Jake William. Aïe, aïe, ça va. Dobrodan. Non, non, c'est pas ça. Dobriden. Non, c'est quoi? Je sais pas que vous êtes qui en fait. Bonjour. Vous êtes pas slovaque? Si, je suis fantôme slovaque. Arrête de faire ça. Arrête tout. Oh, mais Mathieu. C'était moi depuis. T'as raté? Le fantôme slovaque. Non, je l'ai pas raté. Par contre, t'es fou, t'as un drôle de tête. Il m'a possédé. Pose sur la coupe de Mathieu. Oh, je sais pas de quoi il s'agit. Ah, c'est tout. Ah. J'adore. Oui, donc je suis rentrée dans la chambre et Mathieu m'a accueilli en mode... Voilà. Non, mais je sais que c'est lié à facilement peur et du coup, oui, c'est vrai. J'ai pas osé faire wow! Et puis surtout que d'habitude, quand je fais peur, je peux au moins voir si je vais prendre un coup. Alors que là, si elle avait voulu me mettre un coup, bah, je l'aurais pas vu venir et j'aurais pas pu esquiver et ça aurait fait encore plus mal. Et j'aime pas avoir mal. T'aurais pu faire un tour de magie, Mathieu. Hein? Vas-y, fais un tour de magie. Non, j'ai pas envie de faire un tour de magie. Oh. Mais c'est toujours relou. Et du coup. Pipou le canard dans la marie criara. Pipou m'a gâté, Petrouchka criara. Bon, bonjour, nous sommes dimanche. Moi c'est Mathieu Barron. Dimanche. Non, c'est lieu. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes dimanche, Bratislava, ouais. Day 1 et Last Day aussi. Bon, en fait, non, Day 2. C'est super. On va aller à la Blue Church. C'est une église bleue. Hein. Que dire de plus que Blue Church? On était là sur ce petit banc avec nos amis pigeons. Et ouais, un endroit bien. Très mignon. Voilà. Oh waouh. Et on a prévu tous nos prochains jours. Parce que, bon, on savait pas trop quoi faire. On était en mode, on va louer une voiture. Ah non, on va pas louer une voiture. On va aller dans tel endroit. Ah oui, ah non, peut-être, machin. Enfin, toute une histoire, on vous raconte pas. Et du coup, maintenant, on s'est mis d'accord avec nous-mêmes. On a décidé de ce qu'on allait faire. Puis, bah, maintenant, qu'on a fait toute notre programmation, on va se balader. D'accord, mais c'est dimanche. D'ailleurs, c'est dimanche, il y a la dernière vidéo qui vient de sortir. Si allez vous n'êtes pas allé la voir, allez la regarder. Si vous regardez cette vidéo, c'est bien. Si vous ne la regardez pas, regardez-la. Abonnez-vous, likez, commentez. S'il genre, vous plaît, s'il bonjour, vous plaît. J'ai vu la vidéo. Vous mettez ça en commentaire, comme ça, on est sûr que vous avez vu la vidéo. Ensuite, leur donnes des devoirs. Ensuite, vous continuez de faire des trucs. Et c'est cool, s'il vous plaît. Il est fier. Il est content de lui. C'est comme ça qu'on fait, là. T'as un épi, là. C'est des vaches. Ah ouais, c'est des vaches. Il y a un troupeau de vaches, là, qui est en train de ruminer. Bon, c'était trop long, cette oui. partie, non? Ça fait combien de temps? 2 minutes 53. Allez, bah, c'est super, bon. On attend les 4 minutes? Non. D'accord. Allez, on part faire la balade. On se balade. Et là, oh wow. Une église bleue. Ah ça c'est bleu de bleu. Hein. Bleu de bleu. Mathieu, tu fais quoi? Je cherche une cache. Je l'ai trouvée. Elle est là. Ouais. Bravo! Bravo Mathieu! On a raté. Ah, toute cette complicité, incroyable ça! Allez! Ah ouais! Elle c'est... a bien pété celle-là! Je pense que c'est le moment d'une interview en toute intimité, Mathieu, vu ta position là. Comment tu vis ton intégrale? Mieux qu'à Budapest parce que j'étais malade, là je suis moins malade, j'ai juste le nez qui coule, l'impression que je vais éternuer tout le temps. Mais Bratislava, et c'est un endroit très mignon! Et où il fait bon se balader, vivre et tout ça. Et tu vis bien ton interrail? Ouais.
Ouais, c'est chouette. Comme on le disait plus tôt, ce qui manque, c'est un peu la nature. On est dans un parc là. C'est pas la nature, un parc. C'est organisé par l'homme. Non, mais ouais, un peu la nature, un peu de liberté. On a hésité à louer une voiture, mais on ne le fera pas. Mais c'est vrai qu'une voiture, ça donne un peu plus de liberté, etc. Et le train, c'est quand même merveilleux et ça permet de faire des choses chouettes. Et toi ? C'est cool. Ma beauté. Beauté. Qu'est-ce que ça te fait que les gens regardent pas tes vidéos ? Gérardmon des pulsions de mort, hein. Je croyais que t'étais dire Gérard Darmon. Gérard Darmon des pulsions de mort. Mais ça, quand je vois que je passe des heures à faire du montage et que derrière il y a 10 pauvres vues, ils sont où les copains? Vous êtes où? Non mais Mathieu, il y a des choses à régler là, je pense. Hein. Ça prend un mauvais tournant. Aïe aïe aïe. Ah j'en ai gros. Arrête, j'en ai gros. Arrête Mathieu. Arrête, me retiens pas, je vais leur péter la gueule. Ah bah voilà, que des menaces, t'es vraiment. Ouais, de toute façon. C'est vraiment la masculinité toxique, Mathieu. De toute façon, j'aurais pas à péter la gueule à grand monde. Hein. Quoique maintenant, si vous regardez la vidéo, j'aurais pas à vous péter la gueule. Vous êtes quelqu'un de bien. Bravo à vous qui regardez les vidéos. Mais oui, du coup, pourquoi tu t'énerves contre eux? Mais non, mais vous êtes des gens bons parce que vous regardez la vidéo. Et allez dire aux autres que s'ils regardent pas les vidéos, c'est des vieux morts. Des mange-merdes. Bon, arrête, on des arrête. Mange-merde. On arrête. Oui, donc voilà. Donc ça va être super. Mange-merde. Donc des putains de mange-morts. Vraiment, ils le pensent pas. Ils le pensent pas. Ils le pensent pas. Bon, allez, on va aller se balader. On va aller se balader. Allez, on arrête. Il y a 2 secondes ici, on était en plein soleil et en plein ciel bleu. Et là, on entend grave du tonnerre. Ça vient vers nous, Mathieu. Vite Mathieu, ça vient vers nous. Vite, go, allez, oh. coupe ça. Coupe ça. vite Mathieu, putain, allez, putain, j'ai l'impression d'aller vers ma mort. On est obligé de marcher vers le tonnerre. Putain, je crois qu'il y a des bunkers par ici, peut-être qu'on peut être dans un bunker. Comme ça, on évitera la pluie radioactive. Attends-moi! Le vent se lève, Mathieu, le vent se lève. Bon, du coup, pour éviter la tempête, on a dû se mettre dans un bar, on était obligé. Et puis on était obligé de faire une dégustation aussi de bière. Pas le choix, hein. Pas le choix. Elle fait penser à un chauffe. Un petit peu, elle réchauffe un peu. Hein. Oh, ça réchauffe. En fait, c'est que des bières un peu fortes, genre à partir de 11 degrés. Bonjour, est-ce que vous connaissez Célia? Moi, je la connais. Elle est là-bas et elle prend sa 20e glace du voyage. Et à chaque fois qu'on passe devant un glacier, elle fait ah, une glace. Et voilà, elle prend une glace parce que c'est sa joie. Et moi, j'en prends pas parce que j'ai pas envie. C'est pas ma 20e glace. Dites dans les commentaires si vous êtes plutôt cornet ou peau. Mathieu, tu te rappelles quand je t'ai dit qu'il y avait un monument commémoratif de la libération de Bratislava par les nazis en 45 là, au sommet. Les nazis, ils ont sauvé Bratislava, c'est ça? Non. La libération par les nazis, t'as dit. Ah moi je me suis trompée. Par les communistes. Heureusement qu'ils sont venus les sauver, les nazis. Hein. Non. Ah, ils sont sympas, la ces nazis. La libération par les communistes. Ouais. Bref, et j'ai dit que c'était sur la colline, la le point de vue haute. Le plus haut de Bratislava. On s'est dit, oui, on va quand même y aller, même si on a un peu la flemme. Je crois que j'ai compris où est-ce qu'on allait monter. Toi aussi? Oui. T'as envie, tiens. Ah bah, on voit le monument. Regarde, ça y est, on l'a vu. Ah bah oui, on l'a vu. On se croirait à San Francisco, comment ça monte. En vrai, t'es content, non? C'est cossu. C'était une c'est Ferraro. C'est cossu. On se demandait si c'est cossu. C'est cossu. C'est cossu. C'est cossu. On va là. Il va arriver au bord. On va se prendre la sauce, mon pote. La sauce. Et derrière, c'est abandonné. 2 salles, 2 ambiances. Les pauvres, les riches, Célia, la sauce. Il est en train de faire un truc de malade. Punaise.
Ah non, ah si. Mais allez, vas-y, fais un truc de malade. T'as bientôt fini avec ton nouveau pote là ou... Je te rejoins Mathieu. Hein. Je suis en train de faire un truc de malade là. On n'est pas rendu. Est-ce que c'est long? Il s'est mis à pleuvoir d'un coup. On est presque arrivé à destination, mais c'est en plein milieu d'un parc. Du coup, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cachettes. Si t'avais pas traîné là avec l'escargot, on aurait eu le temps d'aller voir le monument des soviétiques là, de repartir. Et je pense qu'à cette heure-ci, on serait arrivé à l'hostel au sec. Je vais retomber malade, moi. Mais ce sera pas ma faute. Faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. Pas moi. Oh. Oula, mais ça pleut beaucoup. Sa mère là de chouin, ils annoncent jaune d'œuf, soleil et tout, Bratislava en soleil, 20 degrés, mes couilles. On est sous la flotte, il est où le soleil? Pas là. Pas là. Du coup, il s'est mis à pleuvoir sur nous comme vaches qui pissent. Vous voyez les vaches qui pissent, et ben elles ont pissé salement sur nous. Donc vous voyez, mes cheveux mouillés. Et là ça s'est calmé, on a demandé un Uber qui est jamais venu. On était tellement proche du but qu'on s'est dit non mais c'est bon, vas-y, on reste. Bien, on va voir la vue. C'est juste là le truc. On voit rien, il y a les arbres. Bah super. Tout ça pour voir des arbres. Au lieu d'aller sous les arbres, on aurait pu se mettre à l'abri dessous. On saura pour la prochaine fois. On savait pas à quel point c'était loin et à quel point on risquait d'être mouillé le temps d'arriver jusque là. J'ai pas les chiffres exacts. Il y a des fosses communes qui regroupent les corps des milliers de soldats russes communistes qui sont venus libérer la ville de Bratislava. Ambiance. Ça fait pas rire. Du coup, on a fini de faire notre balade chez les Russes. Et du coup, on rentre parce qu'il est temps de rentrer. Et heureusement, il s'est arrêté de pleuvoir. Donc, tout va pour le mieux. Okay. Et en même temps, on fait un Johnny Depp. Et c'est super dur. Et en plus, je me trompe de côté. Alors, on avait commencé avec Vanessa Paradis. Donc, c'est bien ça. Valentin Vincent de Dienne. Erigirouscar d'Estintin Damido Neymar Sa Parasmoqueddi. Oui. Oh, wow. C'est chaud. C'est Lio Alcolo. Ok. Je vais le faire. Je le fais maintenant. J'ai des frissons. J'aime pas. Mathieu Alcolo. Oh mais tu fais rien? Tu flinches pas? Non, ça va en fait. Oh putain. Bravo. Alors Mathieu, t'es malade? T'es bien niqué, hein? T'es bien niqué. T'es niqué. Bah... Non oui, mais quand même. Bah quoi, t'es niqué? Even dump me in the chest. I know I couldn't trust you. Don't you use me on everyone else? If you really love me, why am I
pense qu'après deux jours passés ici, on peut dire que c'est cosu. On ferme le dossier de Célio Investigo et Célio Detectivo. Au revoir. C'est vraiment le plus petit train que j'ai pris de ma vie. Mais j'ai mangé le chat. Oh, bien dodu en plus. Allez, laisse-le tranquille. Bien dodu. C'est vraiment super chou. Des grosses bites. Why am I sitting in a bed? Sitting in a. Why am I sitting in a bed?